ACF travaille, on a été depuis plus de 20 ans. Et notre mission principale, c'est la lutte contre la malnutrition, y compris des travaux dans le domaine de eau, assainissement et hygiène, qui est un des facteurs favorisant la malnutrition. Nous avons mis en place des ateliers pour la production de chlore liquide ou de javel dans plusieurs endroits dans le pays. Nous avons travaillé au Léogane et Grécier suite au séisme. Il y a eu quelques ateliers qui ont été mis en place à Port-de-Paix, dans le nord-ouest. Nous avons travaillé surtout en Artibonite, où nous avons mis en place des ateliers de WATA dans quelques écoles qui étaient choisies par la direction de protection civile pour être des abris en cas de cyclone. Et là-bas, l'idée, c'était d'avoir production de chlore pour la chloration de l'eau à l'école, même hors urgence. L'idée de travailler avec les élèves dans les écoles, c'est vraiment excellent pour le changement de comportement. C'est plus facile et ça réclame moins de moyens parce que les élèves sont ouverts à l'esprit, c'est plus facile de faire des changements de comportement avec eux parce qu'ils sont dans la phase d'apprentissage. Éduquer les élèves, c'est un bon moyen d'éduquer tout le pays. Donc c'est vraiment une très bonne initiative de travailler dans les écoles. Dans le cadre de nos projets de prévention du risque choléra dans le département de l'Artibonite, qui était le centre de l'épidémie de choléra en 2010, ACTED était présent dans l'Artibonite depuis plusieurs années et on a mis en place les antennes à WATA dans 45 sites, écoles et centres de santé, et former le personnel à leur utilisation. Et les retours terrain que j'ai pu avoir, c'est que c'est un système assez facile d'utilisation, donc les gens se sont appropriés facilement. Possibilité de produire une grande quantité de chlore en peu de temps, donc très utile pour l'utilisation communautaire dans les écoles et dans les centres de santé. On travaille pour la chloration de l'eau dans les écoles, d'un côté, et maintenant on entame un processus de chloration d'eau dans les communautés à travers des organisations communautaires. Dans les écoles, le premier problème, c'est de faire en sorte que les écoles aient l'eau disponible. C'est l'un des premiers problèmes. Mais sinon, il faut simplement faire la formation des agents qui sont chargés de la chloration. Les écoles qui ont le WATA disponible, c'est les écoles qui sont liées à des organisations. Et à ce moment-là, c'est l'organisation qui a le WATA et produit la solution d'hypochlorite et fournit cette solution aux écoles. Quels sont pour vous les principaux avantages du WATA? Alors, il faut parler d'abord de cet aspect de la récurrence du chlore qu'on ne trouve pas dans les autres moyens de traitement d'eau. Ça, c'est la première chose d'une façon générale. Maintenant, avec le WATA, on a cette possibilité de produire sur place le chlore, enfin la solution d'hypochlorite, et une solution à la concentration qu'il faut pour la potabilisation de l'eau. Ça, c'est un grand avantage par rapport à ce qu'on avait avant. Le premier programme de chloration qu'on a mis en place, c'était un programme sous l'égide du Programme national des cantines scolaires qui relève du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'était un rapport direct avec le ministère de l'Éducation nationale via son programme de PNCS. Maintenant, avec la DINEPA, dès le départ, on a eu des rapports avec la DINEPA, on a participé à un ensemble de rencontres et on essaie de suivre les instructions de la DINEPA, notamment les instructions en matière de mode de disponibilité, mode de distribution du chlore. Bon, le programme ici à Saïra consiste d'aider les gens à mieux utiliser l'eau et comme ça c'est bon pour eux parce que c'est plus agréable au lieu des autres produits. Parce que le produit avec le chlore produit par le WATA, c'est mieux sans la soupe aussi, que c'est pour ça que le programme c'est mieux pour nous ici à Saïra. Les conditions d'hygiène à Mariani sont très critiques et parce que Mariani est une section communale de la commune de Grécier, qu'on peut dire une section qu'on pourrait même dire abandonnée par les autorités locales parce qu'on a de l'eau vraiment, mais la situation qu'on a utilisée, l'eau c'est vraiment critique. Pour traiter cette eau, on a utilisé l'eau et les chlores qu'on a fabriqués à l'aide de l'appareil WATA. Et on a à chaque bouquet, alors on a 10 bouquets, c'est ça. Donc on avait ces 5, c'est ça. On avait ces 4 millilitres, c'est ça. Et puis pour les petits galons comme ça, on avait ces, combien David? On avait ces 1 millilitre. Donc c'est comme ça on a procédé à la purification. On a fait ça par mégaphone, micro-trottoir. On a fait des rencontres aussi, des rencontres communautaires. On a expliqué ça aux gens, comment il faut traiter l'eau qu'on peut utiliser.